Bonjour à tous, chers résidents de Lille. En ce vendredi 7 août 2020, il est actuellement 13h19, c'est notre belle Cocolindo. Flûte alors, je crois qu'il n'y a vraiment rien de neuf aujourd'hui. Ah oui, est-ce que vous avez regardé le documentaire d'hier soir à la télé? Il s'intitulait « Ok, la rétrospective ». Figurez-vous qu'il m'a appris quelque chose d'important, à savoir que c'est le genre de sujet qui m'endort dès la première minute. Oh là là, me revoilà qui ennuie tout le monde avec mes histoires de télé. Pardonnez-moi. C'est tout pour aujourd'hui. Amusez-vous bien sur notre île paradisiaque. Ah, une île paradisiaque. C'est vrai que Cocolindo, c'est un peu une île paradisiaque. J'espère que vous allez bien. C'est Lou, et comme d'habitude, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Animal Crossing. Un petit peu de sous. J'aime bien les sous. Voilà, 20 000 clochettes, ça c'est très bien. Oh, il fait trop chaud pour être habillé comme ça. C'est la canicule. Voilà. J'aime trop cette tenue en plus. Alors hier, on était à la chasse aux vampires avec tous nos amis. Oh, Runard qui m'envoie du coup mon faux... ma fausse statue féminine. Patty, j'ai toujours rêvé de vivre dans une bibliothèque. Je m'imagine entouré par des étagères pleines à craquer. Dans une telle maison, je ne serai jamais à court de lecture. En songe et en os. Voilà de quoi t'aider à trouver l'île mystère avec que des arbres fruitiers pour enfin avoir la mute cigale. Bonne chance. Et il nous reste la mute cigale à avoir pour ce mois d'août. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, des tickets Miles Nook, c'est trop gentil. Et la statue féminine. Alors où est-ce que je vais la mettre? J'en avais mis une ici, vous vous souvenez, au début, et j'ai mis assez. Je vais en remettre une là. Puisque c'est une fosse. Voilà. J'avais dit que j'allais refaire le... la rivière. Une sauterelle. Bah, je la relâche. Donc, là... dans l'eau. Donc, elle, j'entends son bruit. Creak, creak, ok. Ah, ça, c'est pas le même bruit. Mais ça, c'est la crinéda machin, voilà. Acrida cinerea. Et ça, c'est une sauterelle encore. Elle fait le même bruit. Attends, écoute là. Ça me dit pas grand chose ce cri de cigale. Oh si, je l'ai déjà celle-là. Non! La cigale cicadelle! Leur chant a quelque chose de spécial, bah c'est vrai. Alors attends, j'échange contre. Tiens. Je vais aller vendre. Ne vends surtout pas ta cigale. C'est une nouvelle cigale. Bah parfait. Petit à petit, ça se complète. Alors... Attends, j'ai pas de sous. Je vais la prendre. J'aime bien les salades de plage. Je la mettrai à côté de l'autre, mais... D'abord... C'est pas que j'ai pas de sous, j'ai pas de place. J'ai pas de place. Alors... donc cigale, cicadelle, je garde. Les mules, tout ça, ça part. Voilà. Vous voyez, les mules, il y en avait plein. Hein. Il y avait Flora qui en cherchait du coup hier. Donc pas hier pour vous, hein, au moment où le truc est diffusé, mais hier dans le jeu. Ok. Pas mal de sous, c'est pratique. Ça va pouvoir me payer le pont que je dois réinstaller. Donc on a déjà un animal à aller apporter
à notre ami Thibaut. Bah, c'est normal, en même temps, on joue peu de journée. Hein. Simplement parce que, comme je travaille, là aujourd'hui c'est du télétravail, donc là j'ai la possibilité. Attends. Va pas dans l'eau. Putain, il me saoule. Il fait pas de bruit lui. Oui, un criquet pèlerin. Je me demande bien où il allait. Bah écoute, il faisait un pèlerinage. Donc les arbres fruitiers hein, seront nécessaires. Ah, j'aime beaucoup mon cromlech. Mais il paraît qu'elle est quasi invisible hein, la mutigale. En même temps, peut-être qu'elle apparaît pas sur les sapins déjà. Vivement que je remette le pont. Ça, c'est la crida hein, qui fait des grands sauts comme ça. Regarde, là, il y a plein d'arbres fruitiers. Voilà. Salut, Anne-Lise ! Ah ! Elle court après la bestiole. Je le vois plus. Ah, là. Voilà, Akrida. Ça va? Oh, Lou, c'est gentil de venir me voir. C'est le moment de la journée où j'ai souvent un petit coup de fatigue. Oh, pardon, de quoi parlions-nous? Tu vois, ici j'ai tous mes. J'ai des fruitiers là. Près de chez moi j'ai des fruitiers aussi. Dans mes quartiers j'ai des fruitiers. Eh oui, je t'avais vu. Tu vois? Franchement, vu que je vois ça, je devrais voir quand même les mutigales. J'adore les petits cœurs qui se dandinent. Hop, attention. Pas d'or. Faudrait que je refasse des petites visites oniriques d'ailleurs. J'ai pris des codes. Il faudra les utiliser. Mais là, je profite, on est en plein jour. C'est pas tous les jours. Oh, Makai, ça fait toujours plaisir de te voir, Kongouyou. Je viens de réaliser quelque chose aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de notre vie. D'accord. Oh, Makai, c'est gentil de venir me voir. Je me suis levé aux aurores, comme on dit, qui se lève de bonne heure finira aisément son labeur. Makai, par ici. Ça te ferait pas rire de voir quelqu'un mordre à pleine dents dans un gâteau recouvert d'un dentifrice? J'adore cette blague, pas toi? Quoi? Non, j'ai jamais fait en vrai, bien sûr. Je sais juste expliquer que les mimiques peuvent servir dans toutes sortes de situations. Même quand t'imagines une blague rigolote, tu peux exprimer ta malice. Gnarc, gnarc, gnarc. La malice. Alors. Voilà, on commence bien. On se concentre.
Je sais pas, c'était assez ouais. J'étais pas hyper au taquet, mais alors attends. Oh putain, ouais non. Faut pas faire des directs. Mais là ça sentait, j'étais un peu en retard. Mais c'est bon, elle est là l'étendue d'eau. Alors, je me concentre hein, sur les. Ouf. Les gros. Sachez que c'est pas un poisson ponton, mais bon. Je suis pas hyper rapide, je trouve, aujourd'hui. Je vais monter le son. Je sais pas si ça aide, mais bon. Allez. C'est pas un gros, mais bon. Mince. Ça y est, je commence à stresser. Oh là là! Mais ils veulent plus, ça y est. Ah, c'est que du moyen, ça. Attention. Oh. Il y a un cadeau qui s'en va là. Quelle bérésina. Enfin. Direct, mais tu m'as pas eu. C'est juste un Remora. Toujours peur de le lui faire peur. Oh non, ça y est, je stresse. Un tout petit rikiki. Non mais regardez-moi ça. Oh, fiche. Pardon. Mais non, mais ça. Il faudrait qu'on puisse faire des appâts spécifiques pour amener que des gros au moins, ce serait bien. Regardez tout ce que je dois utiliser là. Faut que je tombe sur l'île des gros poissons, c'est beaucoup plus facile. Il était trop long celui-là. C'est un bar. Bon allez, je vide encore cet appât-là et puis c'est tout.
Bon, bah au moins un Scarus, ça fera des sous. Ah, c'est embêtant quand même. Voilà. Je suis pas prêt de les avoir, ces poissons pontons. Alors attends, parce que j'entends... Ah, je l'ai vu. Voilà. Bah dis donc, il y a combien de fossiles aujourd'hui? Un réchaud de camping. Bon, c'est pas un truc que j'ai forcément gardé. Ok. Pardon. Si c'est pas loup, il n'y a pas mieux que les jours ensoleillés, c'est là que je peux briller comme une vraie étoile. Et ben voilà. Ok. Sauterelle, ça. Voilà. Bah dis donc. Que de fossiles. Voilà. Ah mince. En même temps, j'ai tellement de barres. Il m'agace. Ticket, ouais, elle va me donner un truc non plus pour que je puisse faire son... Oh, cool! Mutsigal! Oh, hop, j'ai perdu. Alors attendez. Bon, je vais déjà apporter les trucs à Thibaut. Bon, je vais m'arrêter là. Effectivement, peut-être que ça repousse plus vite quand on arrose les fleurs. Elles ont pris un sacré coup avec les invités d'hier. Je ne sais pas c'est lequel qui s'est amusé. Alors, quel est le rocher que j'ai loupé? Oh oh. Ma expertise donc des fossiles. Là j'ai même pas vérifié si, si les gens avaient acheté des faux chez Runard hier. Pour au moins faire vivre l'économie quoi. Non mais 4 faux sérieusement. Nouvelle cigale et un criquet.
On va aller jeter un coup d'œil. Il y a toutes les cigales, ça y est. Ah, c'est super. Le criquet doit être au-dessus du coup. Alors attends, je vais juste regarder tous mes scarabées aussi. Scarabée, lucane, etc. Là, ça doit être plein, hein, je pense. Et l'arbre, vous voyez, en pleine journée, l'arbre, il est vide. On avait déjà la lumière comme ça avant? Il faut passer à midi pour avoir ça. Parce que ça me disait rien, le petit passage. Enfin, je sais pas qu'il y a une lumière de l'extérieur d'ici. J'avais jamais fait gaffe. Ah voilà, oui. Il y en a trois là. Sauterelle, criquet. Il y a encore de la place pour un truc là. Un truc souterrain. Pour moi, la mue, elle va aller là. En dessous des puces. C'est un peu le côté... Le côté labo de ce côté-là. Ah, j'aime trop. Hop là. Alors attends. À qui ça peut être? Alors regarde, j'ai trouvé ça. Titi. Ok. On va aller voir Titi. Cette pépite d'or est d'une beauté pharaonique, ça t'a donné une idée pour un plan de bricolage. Ah bah tiens. Ça va être au nombre de pépites que je récupère. Titi. Salut, ça me fait super plaisir de te revoir, Koulos. Tiens, je vais récupérer ceci. Incroyable, ici, c'est bien lui, c'est mon sac. Alors là, chapeau, je me demandais justement ce que j'en avais fait. Tiens, c'est pour te remercier. Une casquette, voilà, je filais. Ça te ferait plaisir? Bah, dans la vraie vie, oui, pour éviter les guêpes. Je me méfie parce que j'ai parfois du mal à les reconnaître. C'est un Akrida. Voilà. Ça va, Clara? Akrida. Point de mue. Ah, c'est pas pratique ça. Dim dim. Bah, j'ai des trucs à vendre encore. Non, mais t'es fou! Voilà. Et je pourrais retourner à la pêche. Si vous avez des appâts, hein, n'hésitez pas.
J'en aurais besoin. Oh, je finirai par les avoir, ces poissons pontons. Avec de l'acharnement. Mais non, faut vraiment trouver l'île aux gros poissons, là. Ça faciliterait grandement les choses. Point de mue. On verrait s'il y avait un truc quand même dessus. Là, je vois qu'il y a une cigale, par exemple. Oh, contente de te voir. Je continue mes travaux pratiques sur la mode. Alors, une tenue férique. Ah, oh, super. Ah, ça, c'est tout à fait dans mes cordes. Un haut à manche ballon. Oh, non, t'inquiète. Je trouverai. Salut, ça me fait super plaisir de te revoir. La visite de Nouria, c'était le clou du spectacle de la journée. Elle doit beaucoup tenir à toi pour faire tout ce chemin depuis Snuffle. Ah bah non, on se connaissait pas, c'est un dodo code. Je sais pas comment elle est tombée dessus d'ailleurs, vu qu'elle était anglophone. Je suis peut-être sur Twitter, je ne sais pas. Oula. Ah, Yuka, ça c'est bien. Et un palmier, non mais c'est génial. Ah oui, au fait, Jamie est parti. Non, mais c'est pas ça que je voulais faire. Donc le prochain campeur, on pourra peut-être l'inviter. Une maison s'est libérée. Alors... un pont. En brique. Hop, pendant ce temps, je réponds à un petit message. Et je vais pouvoir mettre mon pont ici, il sera parfait. Ah, ça va être super. Parfait. Arbre fruitier. Ça me rend fou, hein, cette histoire de mu. Alors, attends, j'ai une tenue férique à faire, mais d'abord, je voulais voir... Voilà. À vendre. Qui veut s'installer sur ma belle île? Tiens, j'ai pas eu mon... Comment dire? Bon, bah, c'est ça. Mon petit message. Je peux installer la serviette. Ah, c'est la même, malheureusement. Faudra que j'en trouve des différentes. Ça va, Anna? Kikou! Tu dis quoi de ma façon de te saluer? Tu kiffes ou j'en fais des tonnes? Passe à la maison à l'occasion, je bosse sur une nouvelle recette d'Apfelstrudel. Eh, pourquoi tu fais cette tronche, Niniche? Bah, c'est bon, les Apfelstrudel. Ça, j'avais ramassé hier, mais ouais, ça avait bugué. Peut-être que... Voilà. Voilà. Ah, j'ai eu un éclair de génie au cours d'une ivresse du coureur. J'ai eu l'idée d'un bricolage épatant. J'étais si excité que je pouvais plus m'entraîner. J'ai rédigé ce plan. À tes marques, prêt, bricole. Un tapis poire. Que je connais déjà, hélas. Ici aussi, c'est des arbres fruitiers.
Faudrait que je réfléchisse comment décorer là. Après, est-ce que je peux pas péter un peu pour raccourcir? Bon, je verrai. Je verrai. Alors. Je retire ma combi. Tenue férique. Alors. Donc pour l'instant, j'ai ça. Alors, faut que je garde le haut. Et donc en bas. C'est floral. Mais ça va pas avec le reste. Ouais, mais alors c'est dur de trouver un truc qui va avec le haut. Pantalon de pirate, non. Non, bah je vais rester sur la jupe florale, je pense. À moins que... Ah, ça va bien ensemble. Tu vois, si j'avais un accessoire, j'aurais pu mettre des robes comme ça. Mais là, il y a le haut qui... Il y a le haut qui gêne. La barrette. J'ai pas un truc un peu mieux pour la fée? Non, ça le fait. Ça le fait. Ah, l'épingle luxueuse, peut-être. Ah oui, c'est un peu plus sphérique. Je peux être la fée canard? Ah, si j'ai envie d'être la fée canard. Ouais, j'aime bien, ça c'est rigolo. Alors, les couleurs, ça pas du tout ensemble. Ouais, c'est déjà un peu mieux. Allez, c'est parfait, je suis la fée canard. Ouais. Eh ben, il va être génial ce look. Et hop là. Coin, coin. Sauterelle, hein. Passer par là le macaron. Voilà. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Alors j'ai entendu que certains t'appelaient Makai et je trouve que ça te va ravir. Ça te conviendrait que je t'appelle aussi comme ça? Bon, si tu veux, mais j'ai peur de les blesser en disant non, mais c'est pas mon surnom préféré. Voilà une affaire rondement menée. Sur ce, je souhaite une excellente fin de journée, Makai. Tout le monde va m'appeler Makai. Non, je préfère Bichon. Tiens, je vois que tu t'es changé. Je peux jeter un coup d'œil à cette tenue? Alors. Ah, c'est l'essence même de la tenue férique. Bah, super! Ah, des chaussettes Maria. Un collant, Maria. Je jette juste un œil ici. Je vais donner un peu de sous. Voilà. Tiens. Ah, ce sera mieux quand on aura le pont pour aller à la boutique. Ce qui va me manquer, celui-là, comme pont.
Bien. Et bah voilà. On va pouvoir se reposer un petit peu et puis reprendre l'aventure à la recherche des mutes cigales. On ira voir du coup sur les îles mystères. Allez, un bon petit dodo en attendant. Hop là. Bonsoir à tous, chers résidents de l'île. En ce dimanche 9 août 2020, il est actuellement 23h50 sur notre belle cocolido. Encore un dimanche d'août. Vous savez ce que ça signifie, n'est-ce pas? Qu'un nouveau spectacle de feux d'artifice va illuminer le ciel étoilé. Et tout comme la dernière fois, vous pourrez participer à une tombola organisée par le stand sur la place. Et je serai aussi là à recueillir vos idées de feux d'artifice perso. J'ai hâte que vous veniez m'en parler. Je suis ravi de pouvoir sortir un peu du bureau des résidents. J'ai attendu ce moment toute la journée. Sur ce, je retourne à mes activités afin que chaque instant que vous passez sur la île soit enchanteur. Ah ben attends, il est 50 en plus. Il est temps d'aller voir le feu d'artifice parce qu'il se termine bientôt. Ah, j'avais oublié mon super déguisement de coin-coin. C'est quoi, j'irai lire mon courrier après. Ah, j'adore. Bon, on aura quand même 10 minutes de feu d'artifice, c'est pas mal. Qu'est-ce que je fais, la place est de l'autre côté. Bravo! Un petit quelque chose. Ah, un nouveau machin? Un serre tête étoile! Ah, après les cœurs! Ah bah super! On va le porter. C'est le même qu'elle porte du coup. Alors, j'ai une idée pour ce soir, parce que vous vous souvenez, on a fait un petit motif personnalisé avant. Alors, du coup... Ah bah je vais me faire mon petit... Faudrait que je chope d'autres motifs du coup, donc j'irai certainement faire une chasse aux motifs sur... sur internet, hein, trouver des motifs intéressants, les ajouter, et puis comme ça je pourrais lancer un... Là c'est le... C'est le total pitch, hein. Ah, c'est mignon. J'aime bien toutes les couleurs que ça fait dans le ciel. Et sur toute l'île en fait. J'attends mon pitch. Allez. Petite tombola. Ah oui, c'est... Ah, c'est ceux qui éclatent comme ça, c'était mes préférés. Alors, j'ai quoi? Un ballon de baudruche rouge. Bon, ça j'ai déjà. On retente. Feu d'artifice fontaine. Attends, je vais regarder le ciel quand même. C'est pas encore maintenant. Bah. Ah. Il y avait un petit allumé. Oh, trop bien. Ah, c'est trop mignon. Il est déjà mort. J'aime bien ceux qui font frouf en retombant. On la voit comme à Peach.
La soirée pitch là. Il était gros celui-là. Ah bah c'est là. Notre souveraine. C'est pas trop moche de mettre tout le temps le même, hein. Enfin, évidemment, ce serait plus intéressant d'avoir différent à chaque fois, mais... Mam Peach. Bon, j'irai peut-être retirer de l'épargne pour pouvoir finir ce pont. C'est important quand même d'avoir ce petit pont terminé. Alors, je veux vendre. Je vais me débarrasser quand même de trucs dans ma... Voilà. J'ai plein de choses à ranger aussi, surtout, en fait. Pas une grosse vente, hein. Peach! Ah bah. Très bien. Moi ça me va, hein. J'aimerais que cette instance s'arrête jamais. C'est tellement magnifique, ma fraise. Excuse-moi, rien de tel qu'un beau bouquet final pour se laisser déborder par les émotions. T'as bien raison, ma chère Patty. Je ne me lasse pas de ma Peach. A pu. Petite bébête. Je regarde toujours aussi les arbres fruitiers, hein, vous le savez. Il y a la fameuse mue de cigale à récupérer. Ticket du coup qui m'envoie mes tickets dans la popoche. La JD 89 000 points et Clara, ce meuble t'aurais dû le voir dans le magasin, superbe. Du coup j'achète direct et je réalise que j'ai pas la place de l'autre chez moi. Alors si t'en veux, il est à toi. Balance ton meuble, Clara. Balance ton meuble. Même si tu sais que t'as pas de place, tu peux balancer un meuble. Chaise Mimi. J'ai déjà un peu de Mimi chez moi. Ah, j'entends le vent. Ah, c'est pas là, c'est là. Ah, on va attendre qu'il passe là. Ah, il est un peu plus bas en fait. Ah bah non, bah il va pas tomber dans l'eau là. Un coin neutre, ça c'est pour le catch. Oh! Les tulipes noires, j'en avais déjà, je crois pas.
j'ai vraiment de mauvaise mémoire. C'est le bouquet final. Je pourrais lever les yeux. Oh là là! Dégage le moustique. Bon, ici, il y a pas mal d'arbres fruitiers. J'allais dire c'est quoi ce truc, mais c'est ma serviette. L'autre jour, je réfléchissais à un exercice d'entraînement et j'ai une idée de bricolage géniale. Je pouvais pas garder ça pour moi, fallait que j'en partage le plan. Il ne reste plus qu'à bricoler. Une clé de portage, mais je connais déjà. On va aller les déposer. Puis on fera des voyages sur les îles mystères, hein, grâce au biais de Jonathan. Ça nous aidera bien. Tiens, elle est pas malade, Anne-Lise, quand même. Parce qu'elle est pas sortie pour le feu d'artifice. Ah non. Makai, c'est toujours un plaisir de te voir, Galapia. Tu te souviens de la fois où Jonathan nous a rêvé de mascara? Eh ben, il n'a pas ménagé ses efforts pour remonter force créature marine, paraît-il, Galapia. Qui aurait cru qu'il avait un tel talent? J'avoue être un peu surprise et terriblement jalouse. Ah bah oui, mais on était tous à fond, hein. On a tous bien trimé pour avoir ce fameux vampire. Ma foi, c'était plutôt rigolo. Et on l'a eu, en plus. Après, je m'occupe de Beverly Hills aussi. Toutes mes fleurs ont repoussé, ça c'est bien. Vendu? Grizzly. On va découvrir un nouveau voisin, on verra s'il est sympa. Oh Makai, wesh mon chéri. Tout le monde était hypnotisé par le feu d'artifice, mais moi j'avais du mal à cligner des yeux. Ça m'a fait réfléchir à l'utilisation de feu d'artifice pendant mes concerts. Je veux que les gens n'aient Dieu que pour moi, pas pour deux, trois pétards sans talent, coulos. Petite fripouille. Hop. Ça, Clara? Kikoulou, prêt pour un festival de paillettes et de laser? Ce feu d'artifice, non mais ce feu d'artifice, j'en reviens toujours pas. Par contre, c'est passé trop vite. Oui, surtout que je suis arrivé très tard. Allez, au Laker, il me suffit de fermer les yeux pour voir toutes ces explosions colorées. Elles brillaient tellement que je vois encore des étoiles sur l'envers de mes paupières. Désolé, on est fermé, mais pas de panique, la tombe de Runard sera de retour la semaine prochaine. On se revoit bientôt. Yo, j'ai lu quelque part que c'était du très bon pour les muscles de s'asseoir comme ça. Kiku, ça me plaise de voir ta bouille. J'adore l'ambiance juste après feu d'artifice. Il y a comme des restes de teuf dans l'air, Ninich. Rien sur les arbres. C'était juste une punaise. Passe à la maison 2 minutes. Ça va être jeté, hein. Le palmier d'Arek, qui est une belle décoration. Non.
entreposer. Les tickets Miles Nook, ça je garde. Les tickets de couture, je vais les entreposer aussi. Il y a les pierres aussi là. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de trucs dans mes poches quand même. Bon, déjà il y a le péché qu'il faut que je replace. Je vais le mettre tout de suite. Je vais trouver une petite place sur mon Beverly Hills. Si je l'ai remplacé par des péchés là du coup, les sapins. Quand même le un peu le fruit de l'amour, tu vois, la pêche. Ouais, ça fera joli, j'en mettrai un autre à côté. Donc Grizzly, un nouveau voisin. Bah écoute, tant mieux. On verra bien. On verra si on l'apprécie ou pas. Notre île est populaire quand même, elle attire. Mon petit pont. C'est rigolo là, sur le passage. J'aime trop. J'aime. Non, c'est pas mal, franchement. Je rajouterai un peu peut-être de pain ici. Oh, j'ai été long. J'ai été long pour ce calmar. Il l'a vu ou pas là? Je crois pas. Ah là, c'est bon. Oh, loup, le stress. Ah. Est-ce qu'il y a notre murène? Non, c'est celle qu'on a déjà attrapée la fois dernière. Oh non! Ma canne à pêche. Au travail. Le masque de Pharaon, bah dis donc. Ok, bah je vais l'améliorer, ma canne à pêche. Bah je peux pas. Il me manque du fer. Ça va, Elise? Oh, Makai, rien que de te voir, je me sens déjà mieux. Le feu d'artifice était ravissant. J'ai pas pu en détourner les yeux, ne serait-ce qu'un instant. En fait, c'était si envoûtant que j'en ai même oublié de cligner des yeux 2 ou 3 fois. J'en ai les pupilles exténuées. Pauvre petite, si charmante et pourtant si fragile, Kongouyou. C'est marrant qu'elle dise Kongouyou aussi. Alors qu'on l'a juste appris à Pocket à la base.
J'ai ma pépite de fer, ça me suffit. Salut Bernard. Voilà. Pardon. Ah, il y a un requin à côté. Ah, mais non. Voilà. Une canne à pêche. Oh, il est gros, lui, non? Impressionnant, le canne cerf-volant. Il se moque de moi. Oh non, indirect. Bon sang. Je vais me tuer. Je vais me tuer. Tu vois, c'est le problème du direct, c'est qu'après ça me fait déconner. Le premier devrait jamais être le bon. Ou le premier devrait toujours être le bon en fait. Oh, bien. Ce serait plus facile si le premier plouc était toujours le bon. Non, faut vraiment que je m'améliore sur la pêche. Et que je me détende. Bon, attends. C'est jamais. C'est jamais, on aurait pu avoir un chinchard quand même. Attends. D'un moment, il stresse, loup. J'aimerais bien refaire un gros. Oh, le porc épique. Mais non, ça c'est un petit, c'est pas un gros. L'hippocampo. Mais pas, il me faudra l'île des gros poissons, sera tellement plus facile. Appa plus l'île des gros poissons, c'est parfait. En même temps, là, on n'a pas eu de barre commun, donc quand même, voilà. Faut pas déconner, au bout d'un moment, il en faut au moins un. Bon, on va finir sur un petit, c'est pas grave. Je vais économiser le peu d'appât qui me reste pour aller sur l'île des gros poissons. On sait jamais. Ah.
Il y a 6... en même temps, ils sont 6, hein. Parce que là, j'ai pas joué hier. Ah, pas pu. Donc, il y a... Voilà. Hop, 5. Eux, si on trouve le 6ème, écoute... Faut que je ravance nos amis. Trop flemmard pour changer le truc. Attends, je suis obligé là. Voilà. Il arrivera là le bâtiment. Je sais plus si je t'ai parlé, Anna. On s'est pas déjà croisé tout à l'heure ou t'as un jumeau dont t'aurais oublié de me causer? Je me suis mise à demander aux gens ce qui les fait kiffer histoire de mieux les calculer. Alors, qu'est-ce que je peux te demander? Oh, je sais. C'est quoi ton genre de film, Ninich? Les histoires à suspense. Ah ouais, j'aime bien, mais ça me fout les nerfs en tire-bouchon. Alors, je regarde que le matin, sinon je suis bonne pour une nuit blanche. Vite fait, Thibaut. Expertise de fossiles. Non, c'est pour revendre demain. Comme ça, je pourrais finir mon pont. Hop là. Un petit pont, pont, pont. Tant que j'y suis, voilà. Dégo comme bestiole. J'ai pas vu. Bon, faudra que je rachète des ça, je sais plus ce que c'est. Faudrait que je remette voilà de l'autre côté que ça fasse que ça égalise. Je réfléchis. Là par contre ouais non il faut vraiment. Bon ça, des os ça vire. Beaucoup de place. Mais non, pousse-le. Ah! De toute façon, je sais pas si je vais le laisser.
Non. Ouais, j'aime assez comme ça. Là, je trouve ça trop carré quand même. Mais là, ça fait un peu bizarre. Il n'y a pas de demi-mesure. Je sais pas si j'aime bien. Non, je vais refermer. Un truc quand même. En même temps, ouais, non, ça passe. C'est parce que ça manque de déco en fait. Là, c'est parce qu'il n'y a pas les arbres, ça me fait bizarre. Là, les pensées, j'en peux plus. Oh, les pensées, vraiment, ça me. C'est bon. Oh non! Non, pas lâcher. Ah, planter. Ah bah oui, j'ai pas de pelle. Je pense pas avoir de quoi faire une pelle. Je regarde quand même sur les apps, y a pas de mutigale. C'est là. Pas de pelle. Eh ben, ça veut dire va te coucher, mon petit. Voilà. Demain est un autre jour. On pourra finir un petit peu nos travaux d'aménagement et surtout, on se fera une petite île mystère. Bien, comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. On se retrouve très bientôt pour la suite d'Animal Crossing New Horizons. Salut à tous!